ça paf. L'interface de Discord est faite en colonnes. Vous avez donc une première colonne ici qui vous permet d'accéder soit à vos messages privés, soit au serveur public ou privé auquel vous êtes inscrit. Pour accéder à vos messages privés, il vous suffit de cliquer sur l'icône Accueil de Discord. La colonne suivante contient la liste des personnes avec qui vous avez eu des échanges privés. Lorsque vous cliquez sur un utilisateur, vous accédez à l'ensemble des conversations que vous avez eues avec cet utilisateur. En revenant à la première colonne, vous allez pouvoir accéder ensuite au serveur public ou privé auquel vous êtes affilié. Si je clique par exemple sur le logo de la PAF ici, je vais accéder au serveur de la PAF. Vous allez avoir la liste ici qui contient l'intégralité des salons disponibles sur le serveur. Lorsque vous cliquez sur un de ces salons, vous allez accéder dans la partie suivante au contenu de ce salon. Les salons sont de deux natures. Il y a les salons textuels qui sont précédés du symbole dièse et il y a les salons vocaux qui sont précédés d'un petit haut-parleur. Enfin, la colonne de droite vous donne accès à la liste des utilisateurs qui sont inscrits sur le serveur et vous pouvez voir ceux qui sont en ligne et ceux qui sont hors ligne.